Donc, qui t'aime dit nous? Même si c'est moi qui t'ai con en vain, il a tué Jovenel. Il a assassiné, il ne peut pas dire, il ne peut pas faire tout. Il tout dit nous ça. Parce que je me connais, je me fais pour mettre tout là, c'est un fait qui est réel. Ça me prend dans mes noms. Et qu'on y a, après, je ne vais pas parler à moi, puis le monde qui est même. Ça me prend dans mes noms. Deuxièmement, l'autre, son président mourit. Et pas le monde qui dit ça, il y a la même boue. Comme nous, pas journalistes. Nous ne pouvons pas comprendre ça, me dit. Si je ne vais pas document qui dit Aristide, qui a Covid là, je ne vais pas me dire. Donc, si je ne vais pas parler à moi, il dit monsieur mourit. Je ne parle pas à l'autorité, il dit monsieur mourit. En pour qui ça me besoin de dire que M. Mouy m'a besoin de dire ça, ça m'a intéressé. Autre aspect de la question. Silence moi, son silence parce que me frappe dans le moi. Son ami qui mouille. Ah, nous battons ça. Bon, nous connaissons les amis. Je ne vais pas parler même de l'autre nègre de bail comme ça. Parce que je ne suis pas ami président. Attention, hein? Moi, pas ami Jovenel Moïse, président. Moi, ses amis Jovenel Moïse, tout court. Plus de 30 ans d'amitié. Ah, ben, je vois, ben, sérieux. Et puis, on dit, monsieur Moui, il traite moi à le faire m'annoncer. Oui, ça pas le fait pour moi. Que m'annoncer Jovenel Moïse. Non, l'autre n'est pas annoncé. Mais tout le monde a pris un scoop. Bon, Jovenel, moi, je me connais 30 ans d'amitié, c'est-à-dire, je connais M. depuis Gavoufeuille. Et ça, pour me connaître. Je connais depuis Kabouboul. Le ça, Bouboul que je connais. Et gros Bouboul, T-Vice, qui vient avec Jovenel là. Et moi, tu as baillé Bouboul leçon comme professeur. Et puis, Jovenel, absolument, en province, il vient de Bouboul. Ça fait un. Deuxièmement, Renal Chanlat, chauffeur Jovenel, c'est petite. Manon Chanlat, maman Renal, c'est ma combe maman. Donc Renal, c'est quand coup fille maman. Renal, c'est frère de baptême, à De Gaulle. Donc Renal qui chauffeur, n'est qu'il était candidat, oui. Là, il vient président, ou bien notre chauffeur. Renal, il aurait le vice-président. Ok? Renal, il y aurait le vice-président. Merci, compagnie. Renal lui-même, le. Non, rangez ça vite. Renal lui-même, c'est Kakou ou frère de baptême Renalier. Donc, je ne pas contre Jovenel comme président, mais contre Jovenel comme Moun. Et c'est Moun ça qui vient président, malgré Moun ça président, et pour un type de comportement ça. Je ne vais pas montrer mon chef, je ne vais pas montrer mon pouvoir, je vais toujours connaître son président, je vais maintenant voir le journaliste. Il y a qui t'a pour, qui t'a fait ça, qui t'a fait avec cette zèle. Il y a qui t'a fait ça, qui t'a demandé poste ministériel, qui t'a demandé faveur dans le pouvoir. Et ça fait Jovenel, tu es respecté moi-même comme zami Gary Bébochal, pas comme président, parce que je n'ai aucun rapport avec le président Jovenel. Donc, le m'apprendre, je viens le mourir, je réfléchis en pile. Puisque moi, Awana, ensemble, n'apprends une nouvelle là. Mais quand c'est un micro bien bonheur, et puis j'ai dit ça, je dis, monsieur, ah ok, je vais regarder pour moi. Mais ça veut dire, je suis au courant de l'information. Mais avant, même pas, je ne vais pas réagir sur l'information. Ça, c'est l'autre aspect, on n'a pas avancé toujours. Mais on ne peut pas dire que tu es un président. Si on ne peut pas dire que tu es un président, et puis vous me prenez devant. Je ne peux pas comprendre ce qui se passe dans nos pays pour me prendre devant. Ou même les États-Unis, ou même c'est sur le réseau. Ou ne pas avoir une référence. Pendant l'autre bois, on va fonctionner, ou qu'on dit n'importe qui bagaille. Mais pendant l'événement arrivé, c'est en Haïti, je suis un domicile connu, je suis un business connu, je suis un employé avec. Ma main est trop dans le pays, puisque on parle de coup d'État, d'assassinat de coup d'État. Moi, pas avancé, je ne dis rien. Moi, je parle avec deux, trois nègres, mais une anecdote.
on va citer nous ça. Mais là, on a un monde qui est dans le pouvoir, qui vient avec le pile, qui est dans le gouvernement. On va citer non, ouais. Les mains palac, monsieur. Walter Valcampan. Kalvinsky. Qui là. One témoin privilégié. Et si l'attendez à comprendre. Moi, relé, monsieur, dans le téléphone. Pour me parler avec elle. La KMA gon UPS. Pas de courant. Inverteur déchargé. Et Walter, UPS là a prélé. Son nous contente à UPS a prélé. Monsieur comprend son appel conférence que me fait. Monsieur dit gars, il est bon seul. Ou pas prélé comme ça. Dis moi qui souligne là. Que ne pas accepter le mot Jovenel là comme ça. Et que ne pas valider rien dans le pays ça. Parce que on pas assassiner Jovenel. Me disais mais pourquoi ils sont pas allés comme ça. Monsieur dit oui me tendons mon tuk tuk tuk. Me dit monsieur non c'est un UPS qui a fait ça. Me dit monsieur qui t'aime fermer pour mourir l'eau. C'est pour montrer comment nerf t'es à fleur de peau. Moi même non les m'a gardé bien. Me dit ah pour amour moi parler Gabriel Fortuné etc. Me dit ah me pas parler dans question ça. C'est moi décidé pas parler parce que me pas parler bail ou menti. Sous assassinat, et que m'a gagné comme preuve, non même, que pour l'autre journaliste qui a dit, c'est oligarque, c'est nèg politique, c'est blanc, c'est drogue, tout nèg lagué. Mais maintenant, je ne pensais pas que les gens te croient en moi et que attendent pour m'a la vérité sous ça. De toute façon, je dis, m'a banou ou mosso vérité. Et ça fait bien avec acte 1, dossier assassinat Jovenel Moïse. Donc, nous allons avancer ensemble. On garde Kounia pour nous. Tiens, ça permet moi de mettre une petite lunette dans le jeu. Parce que lunette, moi, j'ai cassé. Ou on ne peut pas être en jeu. Nous allons parler avec nous. Après ça, je m'appelle. Après mission, n'a pas fermé parce que ne doit pas parler de même quoi. OK, ne doit pas parler de même, on peut pas parler aujourd'hui. Et Walter, bon moi qui est-ce qu'il a pour me saluer. Est-ce que ouais Michel là? Ou est-ce Timako Ferrari là? Michel là, Michel qui, comment vas-tu Michel? Quel plaisir. OK. Et qui est-ce là? Sandley, Red, Sandley Bagwad. On en forme monsieur, en forme. OK, je suis content. Parce que je vais garder nous là, je vais parler avec nous. Ok, et Tisson, Nisuka, ou bon? Ok, merci, beaucoup bon. Ou pas le content? Ah, je dis ou pas le content. Même les gens qui parlent, mais content, puisque Juan est à l'écoute et beaucoup de gens à l'étranger sont à l'écoute. Ok, parce que vous connaissez que je vais parler avec vous. Bon, ok, oh, et va guetter le avancé là. On avance. Bon! Le président de la République, Jovenel Moïse, dans la date 7 juillet 2021, il prend le téléphone et il relaie Civil Laguel, coordonnateur général du Palais National. Je voulais seulement pour me connaître. Hein? Ça dit? Hein? Pas de problème. Non, oui, là, c'est pas de problème. Walter, t'entends. Ça voulait nous suivre, nous-mêmes. Tout ça qui remet dans nous, tout ça qui remet dans nous, qui puis devant qui remet quand même. Parce que quelqu'un n'est pas pour qui arrive sur le pouvoir, et puis pour que j'aime mal fonctionner, ou après même quand même. Parce que je suis un homme, je dis. Regardez. Faut qu'on aime pas un journaliste qui a présenté une nouvelle. Si c'était une nouvelle, tu as déjà présenté une nouvelle. Je suis un analyste politique, un chercheur, un enquêteur. Ou pas le ça, dans sa mgale du yon. Moi, je voulais seulement pour tout le monde qui l'a, Michel, pour un plume en papier, ok, tout le monde qui l'a, pour un plume en papier, suivre-le à ça m'a expliqué, ou pour nous, parce que ça nous parle déduit, ça m'a dit. Et comment la musique l'a dit encore? Il y a besoin, non, Dieu, il y a besoin. Ok. Président, il est civil la gueule. Coordonnateur général du Palais National à 1h34 du matin. Marquez ça.
1h34 du matin. Parce que le président tendait bruit des armes automatiques inhabituelles, Boyakali. Des cascades de tirs nourris en direction de résidences privées. Et à l'intérieur de la résidence du président lui-même et président madame ni ti moun qui était là gardien etc. C'était la panique totale. L'hostilité ou l'attaque armée, prise d'assaut de espace véritable président, les commençait à 1h35. Me dit nous suivre là parce que on pas tourner sur eux. 1h37. Président PIA, Jovenel Moïse, Zami Bouboul, Frère, Renal Chanlat, nous n'avons pas la voilà. Presque su, c'est Renal qui baptise le mariage. Li. Ou bien qui parraine une notre immunité. Président dit, civil, nous avons des armes à tirer tout près de là. Il faut envoyer tout de suite et en urgence des renforts. Ouais, ça, yo. Pas de des informations, pas de fait la donne. C'est pour ça que je dis acte 1. Mais apparemment, le président n'avait pas évalué sur le champ. Importance attaque là, dimension attaque à faire, et que c'était une attaque surprise parce que le président n'a pas fait comprendre ce qui a passé. Et Jovenel n'a pas cru qu'il était visé. Il s'en a lieu, il t'en a tiré. Et à ce moment précis, Civil Laguel, ex-coordonnateur des unités du Palais National, qui coiffait, qui dirigeait et qui coordonnait les unités spécialisées, comme premier chef de USGPN, comme premier chef 4 team, comme premier chef USP, lui appelait M. Prétéléphonie et lui relait commandant de chaque unité SAE. À 1h35, avait dit une minute après que le président finit l'aile. Civil a appelé le commandant connu et très médiatique de l'USGPN, Dimitri Erard. Civil doit dire à Dimitri de monter tout de suite avec les unités d'élite de l'USGPN à Pèlerin 5 parce que le président de la République, Jovenel Moïse, passerait non est en danger. Et Dimitri a répondu à son supérieur hiérarchique, commandant, moins pralé. Suivez-moi bien, ça m'a dit. Non. Commandant, moins pralé. La civile fin parler avec monsieur Dimitri Erard. Civil relaie tout de suite Hubert Gentil, chef d'équipe responsable des troupes à la résidence privée de Jovenel Moïse. Monsieur Gentil, pas jamais répondre téléphone. Nous devons dire nous pour nous noter. Monsieur Gentil, pas jamais répondre téléphone. Civil insistait une fois, deux fois, trois fois, il n'y a pas joigné. Il demande à De Gaulle d'identifier la radio. Il n'y a pas joigné. Et c'est alors que Civil a décidé d'appeler l'assistant du chef d'équipe qui se trouve au Palais National. Qui nomme ça Civil Relé? Monsieur Relé, Becker Stephen.
et civil a tenté pour coordonner ça qui a passé, ça n'a pas le faire. Et un civil dit Stéphane, relève Bajomon tout de suite et voyez policier en urgence en backup parce que y a un problème avec le président de la République, là, Jovenel Moïse. Entre temps, civil relève Dimitri à 1h46. Moi, ça, pas un fake. Val, ou t'as dit ça, m'a dit, nous-mêmes, nous avons déduit. Il relève à 1h46. Pour vérifier si vraiment Dimitri est là, en route pour l'alcaï président. Il voit ni, et puis il dit chef flamme dans route. Et civil, tenté, encore une fois, pour le joindre dans le téléphone, commandant Kartim, non. Paul Edi, Amazon. Suis-moi bien, hein? À 1h47. Finalement, Edi Amazon et lui répond à civil. Commandant mon courant, et nous en route, nous pour aller avec le président. Après coup de fil ça, monsieur relé tout le monde, tu avais dit 4 USP, USGPN, qu'on y a civil comme coordonnateur, après c'est mobiliser troupes, civil relé le directeur général de la police nationale, monsieur Léon Charles, à 1h50. Vous écoutez 107.7 stéréo, émission spéciale sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le film de l'événement, en exclusivité, sur Radio Télescope, grâce à l'appui technique de Walter Ministre, grâce à l'accompagnement sans faille de Val et de Campagne, et également l'appui de notre ami Claire Vinci. Et le petit Magloire est là. Et à la radio, il y a Charles de Gaulle. Il y a la salle des nouvelles, il y a Darius, il y a Mano, il y a beaucoup de monde qui suivent et qui écoutent l'émission. Donc, c'est tout le monde qui a participé dans l'émission spéciale, ça, parce que pas les deux émissions qui parlent fait comme ça encore avec les informations. Ce sont les dossiers classés. Donc, je reprends donc, civil a appelé le directeur général de la police nationale, Léon Salle, à 1h50. Civil est resté au téléphone pour l'assurer que l'autre libaille commandant yo a exécuté et que tout le monde a privé sur place. A noter que civil ne commande pas de troupes exactement, ok, bien qu'il soit coordonnateur, c'est le néglige Léo qui gagne contrôle troupes yo. T'as pas comprendre ça, m'a dit noir. Comme si Gary Pierre Charles est président directeur général de Radio Télescope. Mais celui qui est responsable de l'information à la radio, c'est Manuel Yves. Donc, une fois ce travail technique terminé par le commandant, ou bien l'ex-commandant, puisqu'il a été remplacé, n'a vu non l'autre acte sur ça. Le commandant civil, monsieur prend la machine, et monsieur a pas avancé qu'on y a. Qu'on y a un détail important. Le civil t'a fait ça, relé tout le monde, non obstant le danger imminent. Civil était chez lui. C'est la Kalichita, la fait coordination. Et où est-ce qu'il habitait? Thomas 37. Vous écoutez 107.7 FM, sérieux. Thomas 37. Donc, le film fait toute coordination, l'assurer que tout est dans la route. Civil quittait Kaili à 1h entre 50, 51 et 52. Ma gloire. Ma gloire. Non, ma gloire. Pas de problème. Ma gloire. Ma gloire. Entre 1h50, 51 et 52. Civil quittait la Cali Thomas 37. Monsieur passait sous route là, il récupérait
un agent USGPN qui détaché avec pour assurer sécurité. Monsieur récupéré Nexa à la boule 15 précisément. Et aux environs de 2h15, 2h18 du matin, le commandant civil était déjà à l'entrée de Pèlerin 5. Si vous êtes maintenant les Pèlerin 5 là, je m'arrête ici pour civil. Parce qu'il y a d'autres explications croisées qui vont me permettre de remonter les infos à partir de cet espace, de cet endroit, Pèlerin 5, tête Pèlerin 5 là. Avec du poco de Saint-Namba, la tête Pèlerin 5 là. Donc, n'oubliez surtout pas que civil est dans sa voiture avec un agent de sécurité, notre tête Pèlerin 5 là, mais elle pas virer entrer. Nous là avec, ça c'est civil. C'était le propos de civil. Walter, tu me permets de boire un peu d'eau. Hein? Excusez-moi. Donc, explication civile. Maintenant, les explications de Dimitri Erard. Dis-nous, l'acte. Salutations à Patrick Moussignac et Gary Baudot. Ouais, de M. Sao. En constant, de manière permanente, nous parler, tout ça. Ok. Dimitri Erard, dis-nous, prends chiffre avec le. Si nous pas prenons chiffre avec le, nous pas comprendre l'explication. Dimitri Erard. Le président Jovenel naïf, exalté, on n'est qui pas de croix que le président. On n'est qui pas habitué à examen. Parce que bouche, monsieur. Et maintenant, si vous faites seulement. Parce que si monsieur est habitué à ZAM, quand même, monsieur a fait résistance à l'intérieur. On n'est qui pas même un couteau. Il a gagné toute confiance, lui. Non, mais Dimitri. C'est chef de la GPN. Il a gagné toute confiance, maintenant, mais Dimitri. Et Jovenel relaie Dimitri à 1h45. Il a dit nous qu'il y a là. Je voudrais donc attirer votre attention sous leur appel. Relaie Dimitri à 1h45. Et l'appel a duré 4 minutes. Gary qui a parlé avec nous. Je connais, nous peut-être même connaît. Appel a duré 4 minutes. Et Jovenel dit Dimitri. Dimitri, ma difficulté vient sauver. Je reprends. Le président Jovenel a dit à Dimitri Erard, je suis en difficulté. Vin sauver. Et au moment de la conversation entre Dimitri et le président de la République, et pas au moment, au même instant, monsieur Erard, comme commandant spécialiste en sécurité et en armement, ayant étudié à l'étranger, ayant la grande capacité de manier les armes de tout calibre, Dimitri a entendu au téléphone, ça veut dire dans le téléphone que l'a parlé avec le président, des détonations énormes, étranges. Et Dimitri de dire au président,
j'arrive. C'est pas j'arrive comme la chanson de Jacques Brel. J'arrive. Mais c'est j'arrive pour venir sauver un chef d'État en difficulté qui fait confiance à Ounek. Information de première main. Dimitri Erard, pas tape dormi le président Lille. Il finissait un devoir en ligne. Il était tout habillé, seul botte li pas de guenapil. Le président Lille. Donc, je ne sais pas s'il était en fin de remettre devoir, mais il met botte dans la piel. Après avoir reçu cet appel de détresse du chef de l'État. Donc, Dimitri va prendre téléphone et il relaie la section opération du Palais National. Et il répond Dimitri. Nous sommes au courant, les troupes sont en route. Suffisamment bien. Dimitri, quand elle était, il arrive rapidement dans Pèlerin 3. J'ai dit Pèlerin 3. Je n'ai pas dit Pèlerin 5. J'ai dit Pèlerin 3. Il s'est arrêté un petit moment et M. Prado de couleur or, cap monté. Ne prado ça. T'es un nègre. C'est un commandant. Un guerrier. Un foudre. Non, non. Un élément qui représente un foudre de guerre. L'élément moteur des guerres contre la gang. À Port-au-Prince. Un homme opérationnel qui se bat sans relâche au quotidien et qui est arrivé. Nèg sa, li pa zanmi. Sa seul nèg mwen pa jam pale nan la polis la. Mais il était un chef. Lèm pa pale avèk la, c'est pas un problème. Que nous y avons. Et monsieur Rivet, non, Brado. Et là, monsieur Rivet, puisque Dimitri était déjà sur place, Pèlerin 3, il a pointé Zam sur monsieur. Et monsieur ouvre la machine. Bah. Armé! D'après le dossier, que j'ai eu de sources dignes de foi. Parce que je ne sais pas oublier ça. Il est hautement classé que je parle avec nous. Ok? Ben, je parle avec nous, c'est hautement classé que je parle avec nous. Donc, je viens de gagner accès avec vous. Nous ne pouvons pas gagner accès avec vous facilement comme ça. Je gagne accès avec vous. Parce que, vous mettez il a joué. Ah, ok. Donc, ok. Nèg sa, sur tout réseau, il n'y a pas jamais parlé de lui. Et c'est monsieur descend. Si monsieur n'était pas là, je ne vais pas dire non. Comme il n'est pas là, c'est information bien pour me cacher. Non, ou règle qui fait un bagage pour la République. Nous allons comprendre tout à l'heure pour ça. Non, monsieur, il est Vladimir par raison. Vous devez, monsieur? Yes. Monsieur, il est Vladimir par raison. Que je n'ai jamais rencontré, même une fois dans ma vie. Vladimir par raison.
Le ou bam dossier m'a regardé, mouel, me dit oh. Hein. Et Vladimir échangé avec Dimitri, là. Parce que était pointé sous lui. Monsieur descend et monsieur a dit il y a trois pick-up pendant le descendant et puis il y a trois pick-up par la nationale qui arrivent. À bord de pick-up ça, il y a 18 agents de l'unité de élite par la nationale là. 6 policiers dans chaque pick-up. Pas oublier monsieur Pelle et trois. Pas oublier monsieur ouvert portant, monsieur dit monsieur, dis-moi moi que je ne vais pas répéter pour nous faire portal par devant les gars qui te pointé sur lui là. Comme quoi, nous voyons qui est ça. Et monsieur dit, bap, et puis pick-up pour parler. Je m'arrête ici. Avant de continuer le film des événements, pour l'acte 1, même j'aime te camper pour civil là. Ça veut dire me camper là tout, parce que monsieur le Pelle 3. Parce que, suite à cela, il va le faire dans le Pelle 7. Mais le 3, il est toujours. Pas oublier civil déjà en haut, dans le Pelle 7, je ne sais pas si le correspond, s'il est arrivé, pendant ce temps, je vais expliquer ça. Et ça fait m'obliger à couper l'explication. Ça veut dire que dans le Pelle 3. Et puis, je quitte là, pas oublier, Dimitri était dans le PL1-3 et machine, dans la machine personnelle, et puis unité, comment c'est fini? Et puis, par raison, rivé. Civil, Dimitri, maintenant, l'histoire de paraison. Il faut suivre. Ça veut dire, n'importe qui moun a comprendre bagay m'a dire. C'est pas un bagay qui est compliqué, ni parler gros français. C'est une explication. Et le pays se doit. Comme si il doit connaître ça m'a dire pour qu'on comprenne bien. Bon, maintenant, Vladimir Parizeau. Dans le dossier de Vladimir Parizeau. Parce que ça m'a dit, nous, les dossiers civils, dossier de Vladimir, Kounia, et Dimitri, dossier de Vladimir Parizeau. Le commandant Parizeau, Walter. Monsieur passé toute journée 6 juillet, il a travaillé dans plusieurs opérations à Martissa. Pour te faciliter le passage, camion citerne, etc. Parce que vous n'avez pas de bandit qui cachait Martissa. Chaque temps que le camion a venu, il a tiré. Et c'est monsieur Gon qui a commandé un troupe qui a protégé le camion pour le camion qui a passé. Parce que civil armé yo yo posté sur route là et yo bloqué zone nan vini zone dangereuse, tout le monde connaît comment Matissan est et c'est unité ça qui permet gen gaz gen tout bagarre qui passe. Et par raison à la tête d'un troupe spécialisé qui sont task force créé par le directeur général de la police nationale. Léon Charles. C'est Léon Charles. Moi, vous m'entendez tout le monde sur Léon Charles. Pas de problème. Comme c'est critique. Bah, Léon Charles crée une task force. Et c'est task force ça qu'il crée. Qui a bataille, qui a bail résultat avec notre tête Vladimir Parizeau. Et dès que ça, il a mené bataille tambour battant. Contre bandits chaque jour. Et par raison quitter zone Matissan à 3 heures de l'après-midi. Pendant monsieur quitter zone Matissan, à peine que l'a avancé dans la ville, directeur général Léon Charles dit pour aller en urgence à Torcel. Pas oublier, c'est le cas de Vladimir, m'a expliqué. À Torcel, pour l'autre opération. Nous sommes à l'opération ça. Il a été assassiné, un instructeur de police qui est dans l'académie. Hein. Selon l'information gagnée, co-inspecteur, il a gardé nos résidences privées dans la zone tabac. Et non, monde qui prend co-inspecteur, monsieur, c'est un certain Vite l'homme. Recherché par la police, et monsieur Sounègue,
qui a une spécialisation dans tuer policiers d'après dossier que vous avez, monsieur. Et qu'on a avis de recherche derrière, monsieur. Qu'on y a, par raison sorti dans une bataille Matissan, par raison prenons l'autre bataille dans la zone et tabac, torsel, etc. Et par raison arrivé dans la bataille ça, pour la gourmet sur terrain à 5h de l'après-midi. Et par raison solliciter militaire yo, les militaires, pour militaire yo vini pour capable de lancer un assaut, pour militaire yo aider le craser espace qui gagne yo, et monsieur a tiré à bandit dans la zone. De 5h de l'après-midi jusqu'à 11h du soir, il y a des échanges de tirs entre policiers et individus lourdement armés qui t'a protégé M. Vitelhomme. Kaïm Vitelhomme nan, n'est pas casé, mais malheureusement Vitelhomme réussit à sauver. Selon l'information, la police dit c'est des policiers qui ont aidé M. sauver. Parce que M. c'est un gros. Comment on dit ça encore? Un gros poids, oui, il y a un mot, monsieur, son gros poids, monsieur, son un poids lourd, monsieur, et des policiers bien, et dans la question thème, monsieur, quand pile thème, monsieur, bah, policier, comme les policiers, t'es dans la zone. Donc, Vitelhomme sauvé. Et Vladimir fin travail, bouqué. Vladimir fin opération à minuit et plus, et à 1h du matin, si vous m'aimez bien, 1h du matin, moi, voulais nous tendre l'œil pour nous faire comparaison. À 1h du matin, Léon Charles, qui fait confiance, chaque mot me dit qu'il est important, fait confiance à son bras droit, en termes d'opération, à Vladimir, l'URL, Vladimir, par raison, pour le deal, mon cher, il a tiré tout précaire président. Et puis Vladimir dit, ben ok, pas un problème. Tirez Bokai, président. Mais Vladimir saute dans l'opération. Tirez Bokai, président, pas qu'on attire attention. Puisque il y a tout nek déjà qui déjà monté, ça pas attire attention. Vladimir roule à le ça, il peut aller entrer dans la base. Pendant la partie dans la base, direction générale, Klessine. Les gars de téléphonie, ils ont un coup de fil du président. Vous avez fait garder nous une bataille. Qu'est-ce que le président dit, par raison, ma difficulté, ma prêle les mounes, ils ont pas arrivé à vivre sur vingt. Ça fait m'expliquer nous ça. C'est ça qui fait m'expliquer nous pour nous comprendre. Vivre sur vingt. Et par raison, abattu, bouqué, fatigué. Machine qui est maintenant, c'est pas une machine qui est fini en forme. Il est le chauffeur. Il dit chauffeur, à quoi c'est Pétionville? Tant pour monsieur rentrer dans la base, monsieur piqué. Il monte Pétionville, puisque chauffeur, par raison, tu es dans l'opération en tout, tu as pas laissé dormir, c'est chauffeur, par raison, que tu as baillé, policier, que tu as bataillé, manger. Donc, machine n'a rien mené. On a dit, quoi c'est Pétionville? Et les paraisons arrivées, Pétionville précisément, devant le commissariat, l'ouest sous place, DCPA. Le directeur central de la police administrative. DCPA. Et en même temps, monsieur ouais, plusieurs pick-up passés. Suivez-moi bien, oui. Et ça que femme d'app explique nous tout à l'heure, les pick-up y arrivés, par exemple, arrivés, ça veut dire par exemple, en bas, l'ouest pick-up y arrivés. Donc, par exemple, arrivés, quand Dimitri est là, à tout pick-up, parce qu'elle suit lui, ben, on a avancé. Par raison, quitter commissariat Pétionville là, puisqu'il était devant commissariat, et lui suivre pick-up, il était environ 4 machines, mais c'était 3 pick-up. Après Pomplan, nous comptons pour Pelé, hein? Après, nous comptons DNL. Après Pomplan, par raison, Dimitri sur route là, ça veut dire me croiser. Information pour nous. Lui ou Dimitri sur route là, qu'on y a deux paraisons, qu'on y a me sorti, m'expliquer quoi, c'est mon pèlerin. Hein? Ok? Vous n'avez bien compris. Et comme Dimitri ou est machine non, et il te pointe les armes sur lui, m'a dit encore pour nous, et bien ils ont descendu, et il dit c'est moi, et puis il dit ça le désir. Et puis Dimitri dit, par raison,
Par exemple, Dimitri, président Relem, Dimitri de répond, président Relem tout, il Relem, il dit la difficulté. Et puis par exemple, dit oui, il Relem tout. Et par exemple, faut-il réfléchir? Suivez-moi bien qu'on y a l'histoire qu'on l'autre a lui ou l'autre dimension ou l'autre temps de réflexion. Par exemple, qui t'a parlé avec Dimitri là, monsieur prend Zamni, et monsieur prend monter machine ni, ferme la porte là, et monsieur, chut, monsieur piqué monter. Premier monde qui monte là, c'est pas raison. Attention. Par raison monter. Arrivé à Palais Recec, qu'on y a histoire changée. Palais, et lui, il fait dans Palais Recec. Il y a 8 nègres qui descendent à Paris, entre 25 et 35 mètres de guérite à président. Dans l'entrée principale. De résidence, président Jovenel. Si M. Batmour, M. Tap content, Jovenel, que moi-même, je vais expliquer ça. Si M. Batmour. Et Paraison a vu dans le noir. Regardez. 20 et 30 fusils d'assaut. Une évaluation rapide. 20 et 30 fusils d'assaut pointés sous lui, sous machine d'yon. Et Paraison campé. Et monsieur réfléchit pendant une minute. Et monsieur Elba Gagoumé. 20 à 30 nègres environ, nous avons arrêté. Et à ça, on dit, à machine par raison, qui était là, parce que par raison, tu es un chauffeur avec elle. Il dit, get back! Opération dit, get back! Et puis, au pointé. Tu as un nègre qui a une valise dans le dos. Nous, là, monsieur, monsieur, on allait. Monsieur! Non, non, excuse-moi, excuse-moi. Et pas, il y a une valise dans le dos qui a fait opération. Et par raison, fait bac. Doucement. Monsieur a fait bac doucement. Pas oublier, c'est presque un petit tout petit. Monsieur a fait bac doucement. Jusqu'à ce que la machine commence à arriver, sortir dans le pèlerin là. Pas oublier, non, ça m'a dit non. Bac, oui, monsieur a fait. Et pendant que monsieur a fait bac là, par exemple, viré à Gadel, et puis nous, pick-up unité spécialisée, avec Dimitri Ra de elle. Est-ce que vous comprenez? Monsieur était devant lui-même. Et puis, Gounia, monsieur a fait bac, et puis nous, pick-up là. De elle. Et les combien fait bac, dans le palais 1-5 ans, ils ont vu une rivière sur la route principale, la route qui montait comme ça. Tout le monde connaît. Par exemple, dit Dimitri, en téléphone. Pourquoi vous n'avez pas appelé les policiers en poste, car le président? Et à ça, continuez à pointer sous nègre. Il a fait bac toujours. Il n'a pas avancé. Il n'a pas avancé. Et puis, dit, à ça, dit PNH, déposez les armes. Nego, continue à faire bac. Suis-moi, mais il a fait bac, il a fait bac. Kounia, toute machine, Dimitri, USGPN et Parison, ils viennent paraître sur route là, et puis Kounia, Nego a monté eux-mêmes. Soutenant rue, dans le pèlerin 5 là. À noter, aucun engagement de combat. Vous devez noter ça. Et puis Nego a avancé. Nego a avancé. Kounia, machine USGPN, yo, by tête yo en bas. Comme si, bah, Pétionville, qu'on y a négio même, paraît, dans le groupe Pèlerin 5 là, sur route principale là. Par raison, comme mesdames, par raison, pas descendre. Non, si vous voulez, au lieu de par raison descendre pour faire tête Pétionville, par raison, monter. Au lieu de descendre à Pétionville, lui mettez gaz, lui puis courir, lui monter en direction de la boule. Là, il arrive en haut, il vire cette machine, il descend tout doucement
machine non avec lumière éteinte pour mettre nos positions stratégiques pour garder jusqu'en bas dans pèlerin saint là pour voir si nèg sorti pendant l'enlè machine éteinte pas de lumière monsieur dans machine non et puis ouais machine assaillant yo commencer virer à descendre dans pèlerin saint là. Entre-temps, USGPN et Dimitri, qui est descendu en bas. C'est moi bien, qui est descendu en bas. Et puis, monsieur tente jusqu'à ce que la lumière allait, parce que l'appel est en bas. Quand on fait un coup, on commence à descendre. Bon, on va prendre une machine, on va aller. Et c'est à ce moment. Tenez-vous bien. Il faut suivre là bien. Et à ce moment-là, monsieur descend. Il descend en route là. Sans lumière, pas allumé. Parce que pas bien qu'il était pèlerin secteur le moteur. Qu'on a la descendre dans pèlerin secteur. L'aile rivée. Ok? L'entrée, lumière éteinte, il a regardé en bas. Il a vu toute machine qui a descendu disparaître. Et monsieur rentré dans pèlerin secteur. Arrivé sur place, il y a Neximoyo. Neximoyo dit: chef, c'est mon Dieu qui s'est sauvé là, nous manquons de mourir. C'est dans le rapport. C'est mon Dieu qui se sauve une âme qui mourit. Et par raison, elle est rentrée. Et monsieur est devant Kaila. Que le policier est dans la cour était sans arme. Par raison entrée, et le policier qui était là n'était pas armé. Par raison entrée, et le policier qui était là pas de gazame non mais. Peut-être ils ont été désarmés. Tous ont été désarmés. Tous les policiers ont été désarmés. Tous les policiers ont été désarmés. Et vous ici, pas oublier, l'USP est là pour protéger le président en cas d'attaque pour le sauver le président. Et par raison, prend deux dingues USP et il entre dans la là. Et là, il commence à entrer, il voit tout dégât gain et puis il a un corps à terre. Et quoi, pas fait mouvement. Il regardait et puis le voit. C'est la première dame qui est couchée, allongée, sans faire de mouvement. Et Paris ont dit, première, parce que c'est comme ça que Paris ont appelé Martine Moïse. Première. Et puis Martine se recolle. Parce que chaque petit mounio te kembe un bon nan pointe Martine. A terre. Et puis Martine dit: Dedeo. Parce que c'est qu'on salte toujours et les par raison. Et puis il fait ouf. Son ouf de soulagement, c'est comme si il dit: nous sommes sauvés. Mais pas oublier le Tatea à ben ensemble. Et par raison, n'ayant pas entendu le président, par raison pensait que le président n'a machine à sa rien. Par raison pensait que le président n'a machine à sa rien. Par raison dit tête lui. Faut que moi sauver pour mesdames non parce que elle est blessée. Et Martine fait un petit mounio, un geste dans tête li. Un geste, mais c'est comme s'il parlait avec elle, mais position par raison selon dossier, par raison pas attendre ça dire. Mais c'est comme s'il dit
pon sandal pour moi dans chambre. Et les fin parler avec un petit mounyo et un petit mounyo levé pour entrer dans chambre. Par raison par contre ça gagne. Zam nan men, monsieur bandition, monsieur suivre ti moun nan parce qu'il pas contre ça quand dedans. Et Parison a découvert le corps du président assassiné dans la chambre avec plusieurs trous balles. Soit lire les Léons, ou soit aller au Réel. Et Parison dit, Léon m'a dit, comment président est Parison dit, il est mort. Et au même moment, Parison il est une servante, et puis il dit, il vini pour tâcher rad qui sont pour mesdames, non? Parce que Parison n'a pas qu'à moyen pour mesdames, non? C'est votre arrangé rad qui était sous lui. Timoun yo level et puis il bat la main, il a descendu avec elle parce que par exemple, il voulait sauver pour mesdames. Non. Pas raison. Il a descendu. Avec deux Timoun yo. Donc, par exemple, avec toi-même. Et c'est pendant par exemple, il a descendu. Pendant qu'il a fait arrangement pour sortir avec la première dame. Et Gonet qui est le Ben, qui se chauffeur et chef sécurité Martine qui arrive. Et l'aide prend Martine, met dans la machine, là, par raison, et puis il prend la machine là pour le conduire. A noter que Ben semblait un nec qui habitait tout près de Kaila. Et par raison, mettait tout le monde dans la machine et ils font cortège. Les parents ont fait cortège là. Quand il y a les sortes de palais de 5 là. Normalement, c'est pour le virer descendre à droite. Pour le venir voir au prince. Mais ayant vu les assaillants, les assassins, descendre où il y a, parents ont monté à gauche. Ils montaient à gauche en cortège. Et puis, ils viraient, ils passaient la boule, là, ils passaient par Montagne Noire. Moun qui connaît petit en ville bien. Sur la route, pendant que je suis sur la route là, il va dans la même machine à pour mesdames. Non? Pendant que sur la route là, l'un qui se pèle un sec pap, et puis il relève le chauffeur, il dit chauffeur, bon, prends devant. Plutôt. Et puis monsieur prend devant. La poutre route. Et puis il relève pour mesdames dans la route là, il dit première, si je me témoin ou même, je ne vais pas aller à l'hôpital non, parce que je ne sais pas ce qui va passer là, puisque le président a mouru. Sous un monde de confiance. Ou à me dire même à la caille. À chercher soin. Parce que je ne sais pas si je suis dans l'hôpital là, si je ne suis pas venu. Par raison sur route là. Je ne sais pas si je suis à l'hôpital ou bien si je suis à la caille. Parce que nous ne pas jouer ça dans la bouche. On ne peut pas. Nous pas besoin de ça dans la bouche. Et pendant par exemple, descend non quand monde moi sur dia là pendant descend hein Montagne Noire petit garçon je viens là il dit que j'en lui il dit nous là il dit papa moi il dit oui maman m'a dit ça. Et puis Parison dit, qui statue? Est-ce que c'est Américain? Est-ce que c'est Français? Est-ce que c'est Canadien? Bah, monsieur dit, non, je suis un résident. Il dit, ok, pas de problème. Viens nous joindre pour me protéger. Et Parison continue à protéger petit Jovial là, qui était un côté. Pigan blie,
que Dimitri Erard était sur route principale là. Parce que, pas oublier ça, non? Sur route principale. Et n'oubliez surtout pas que les bandits ont dit get back. D.E.A. Et Dimitri Erard a ordonné à la troupe, pâle qui était là, de faire un repli tactique. Le mot qu'il a utilisé dans son dossier. Avec Didi Nego, fais back, j'ai connu. Et Dimitri Erard, qui apparemment, pour qu'on ait information sous président, il dit tout que le pensait que le président était nommé même nègre dans la machine. Non? Et Dimitri Erard, rapidement, pas oublier M. Désoul descend en bas, il descend vers le rien. L'irélé, par le national pour le dire, s'il vous plaît, l'irélé assistant qui c'est monsieur Chéri Ronel, l'isil, barré à l'aéroport, parce que nous avons parlé avec le président à l'aéroport. Et pendant le repli tactique là, Dimitri après les proches présidents, Dimitri pour qu'on jeune proche président. Et Dimitri joint pour grand monde. Ma vous obligé citer nos monde là. Que joint là. Mon n'a pas excusé. Parce que si mon n'a travaille avec Jovenel, il pas catégorie réaction pour Mbadil. Puisque moun sa, son moun que m'gonne, le Dimitri finalement jouen Esther Antoine dans téléphone. Et Dimitri dit Esther, il sa, son opération dit, et Esther dit lui, qui sa fait dire, on vient dire, son président de la République, oui. Et Dimitri comprend. Et Esther comprend. Et comme Dimitri t'a fait bac, le rivet, bon qui n'a pas. Route la bloquée. Suis-moi bien. Route la bloquée. Avec des machines, il y a GPN, la bloquée. Pas oublier comme dit nous, route la bloquée. Entre temps, nouvel assassinat président, l'irrivé dans le commissariat Pétionville là. Coupe là t'es sous choc. Et que n'est-ce qu'un police là qui a crié. Entre temps, assaillant, pas jamais arrivé à Bokinam. Il y aurait une route. Entre temps, Dimitri quitte troupe là, les contourner pour la regarder sa guerre président. Dimitri constatait que les gens valent, que les gens ont fait, les assaillants ont fait une attaque avec deux grenades. Gros bagaille. Et c'est les policiers qui ont été débrouillés. Les grenades à fragmentation. Ils ont mitraillé un appartement qui trouvait derrière le président. Ils ont saccagé la maison, ils ont éclaté la serrure et ils sont partis avec un document. Non retrouvé jusqu'à présent. Dimitri a remarqué, disons, a relevé. Que les cartouches utilisées étaient de calibre 5,56. Ma spécialiste, papa. Calibre 5,56, ça, c'est pas Tiba et Piti même. 5,56. C'est-à-dire, c'était des gens bien équipés
équipement équipement sophistiqué. À noter. Tendez bien ça. Pendant USGPN a fait repli tactique là. Yo lagué trois policiers USGPN sur route là. Bon, mon petit loup, vous souffrez pas couper. Yo lagué trois USGPN sur route là. Les nègres descendent. Les nègres ont massé trois USGPN. La maison, Dieu, la maison. Ils ont massé trois nègres USGPN. Ils ont pris en otage. Par la suite, pour qu'on parle en pile qui fait, il y a un qui blessé, il y a un qui pas libéré. Il m'a expliqué nous ça. Je vais continuer dans acte 2 ou dans acte 1. Et négociation, t'as prêt à commencer. Vous comprenez ça, me dit non? Négociation, t'as prêt à commencer. Kounia n'a pas oublié que civil, t'es dit le vivre n'a pas le risque. Civil dit, t'es ou même négio. Pourtant, par raison d'un roi, par raison pas remarquer machine civile. Là. Parce que par raison, tu dois venir avant. Qu'il y a civil qui a pas été venu après, par raison. Civil, ouais, un groupe nègre lourdement armé. Qui pointe tes armes en direction de véhicule là. Si c'est le cas, donc, civil était sur place au même moment que Varezo et que Dimitri. Si c'est le cas, ça, parce que Pablo me dit que descend. Et son seul descend, il fait. Descend dans Dimitri qui fait bac, tu as raison que tu es monté. Si monsieur était dans place, ça, donc, il pointe sur lui tout. Donc il est même côté en négo. C'est qu'on a un négo pour explication sur ça. C'est pas moi. Et civil, ou un négo, et civil, crampel par fin. Parce qu'il n'y a pas qu'à fin pour contre. Agent sécurité avec civil là. Il fait civil si dans la machine, non, il dit la descend. Et civil. Dit non. Et les nègres finis. Passé. A fait pas nous, c'est pas sûr. Selon civil, dans le dossier par là, l'irrel est Dimitri à 12h22. Si civil ou les nègres descend, donc Dimitri a fait back tout. Si là, l'irrel est monsieur à 12h22 et 31 secondes. Pour dire. Koto est là. Et civil dit barré toute route. Et civil pour que j'aime des informations sous président. Et pendant civil a parlé à le cortège à grande vitesse absorti. Ne pas les cinq là. Nous voyons qui est ce qui s'en parle. Donc civil ou machine qui est pour mesdames à Parison. Cap monté. Donc, civil vini, l'événement passé. Donc, civil pas au courant. Parce que civil t'a contrôlé l'autre bagaille. Donc, et civil entre dedans, et civil ou des gars. Et civil est rentré, non pas qui non, et constaté des gars, qui est sur la cour, trou, balle, etc. Concernant les agents qui étaient sur place. N'oublie pas que civil, c'est coordonnateur. Nego dit civil, tendez. Il était menotté nous. Barrière, nego sauté barrière. Vite machine éclaté. Et c'est pendant civil a expliqué ça. Nego a expliqué civil ça. Chauffeur président.
Junior Desrosiers et agent qui chargé pour assurer sécurité président. OK. Monsieur Rivet et monsieur dit civil président mouri. C'est dans la cour négro dit civil ça. Et civil pas rentré dedans parce que civil pas voulait sous les scènes. Il était dehors. Et civil vraiment abattu l'annoncé le secrétaire général Paléa, Lionel Valbouin, il dit Lionel Valbouin, président mouri. Et civil garde négro réuni négro dit négro. Comment nous faire vivant nous-mêmes pour président Jovenel mouri? Civil a parlé à rageur. Négo dit, nous pas de temps réagir, chef. Vous voyez grenade. Et civil dit, oh, pas de temps nous nous blesser. Et civil mandé de CPJ pour faire enquête. Ce n'est terrible, vous passez là. Pourquoi il n'y a pas eu de combat à partir de Pèlerin Sec? Pourquoi trois policiers ont-ils été livrés, placés sur la route? Ils ont dit c'est pour tirer le téléphone pour bas information. Donc, pour certains monde, ça va qu'être. Pour qu'il n'y ait pas de communication entre policiers qui pas assuré la sécurité, qu'un président avec base là. Contre radio communication. Monsieur, pour qui ça pas un coup de zame qui tire? Pas un policier qui tire. USGPN gagne 497 policiers. Il y a 88 qui n'ont pas fait. Il y a un parti qui n'a sécurité qui est privé. Il y a un autre parti qui n'a sécurité qui est Michel Martelly. Deux présidents. Il y a 100 agents qui ont un détachement. Il y aurait Léo Giger. Nous avons Giger, monsieur. Alphontitan, Bantikob, Alphontitan, Bantikob. Business. Chaque soir, supposé gagner entre 15 et 20 USP. Joue ça, tu gagnes 11 qui étaient présents. Gagne 8 agents. 4 qui étaient de là, gagne 6. Gagne 10 USP qui étaient de là, tu gagnes 7. Tu gagnes 24 monde seulement. Qui était le président. Et attaque la fête à environ 26-28 monde. Maintenant, qui te m'explique? La pensée, oh, ouais. Négocier un énergie, oh. Pas oublié, nèg yo gagné un commando. Monsieur n'a fait commentaire. Depuis que fait ça, ou on a dit ça, depuis que fait commentaire, m'a perdu fil. Pas oublié, nèg armé yo, yo passé 2 heures sans que yo pas attaqué. Suis-moi bien. Là, une information mouria. Et ben yo venait mourir, non? Information pour Valo mourir, Marco Campano Alter mourir. Ok? Vous passez 2 heures sans que vous pas attaquer Negio. Dans la tête commando à un colonel. Il y a certains qui décident de bataille, il y a l'autre qui dit qu'il n'y a pas de bataille. Et il y a l'autre groupe qui a l'ambassade de Taïwan. Couru, il se sépare. Negio dit. Il y a des informants de là.
Gendien yo a travaillé pour FBI. Vincent pour DEA et Solage pour FBI. Et CNN, il y a un homme. À poser question à responsable FBI. Il n'y a pas voulu information. Vous posez des questions et DEA dit que vous-même, vous avez des rapports avec une nègre qui ont travaillé pour. Monsieur, attendez bien, ça m'a dit. Selon information que les médias étrangers baillent, vous avez une nègre relé département d'État. Une nègre prend le département d'État. Et ici, pendant les souterrains à Pétionville, ils ont dit que les okay, négo pas tuer négo parce que négo veut négocier. Tu me souviens pas? Ils ont dit, tu me souviens, sous place, sous pendant les là, il y a un rapport avec Gautet aux États-Unis. On comprend qu'ils ont travaillé peut-être pour les Américains, qui dit que mais pas tirer, pas tuer parce qu'ils veulent négocier. Et on dit qu'il y a pris une tête. On dit qu'il y a pris une tête. Il y a une négociation. Libye n'a tout leader politique que vous avez rencontré ici avant l'attaque. Semble combien de temps vous avez un contrat lui-même avec plusieurs grosses structures de sécurité qui lient tout à Knegio. Colombien, ça, c'est des nègres qui prennent des formations dans gros pays pour batailler contre les gens qui sont dans la drogue, etc. C'est pas des nègres petits qui viennent là. Et ils reconnaissent que Knegio, c'est des nègres solides et terribles que oui. Et il y a eu l'aide pour information tout, dans le cadre d'une coopération que tu as gagné entre États-Unis et Colombie. Vous avez dit dans le journal. Nous tenons ça, monsieur. Président colombien dit, il y a 8 nègres qui te connaissent dans le nègre Sao qui va assassiner le président. Ok. Propriétaire CTUA, Antonio Entriago, monsieur basé aux États-Unis, jusqu'à présent, il n'y a pas quoi arrêter, mais nous ne pouvons pas ça qui a passé. Une institution qui bat un cob, 865 000 $ US, World Capital. L'agence a été basée CTU, comme une forme de financement. Ticket avion, per diem, ok. Yo te baye neg yo pour yonte. Mais ça senti comme petit. Antonio Santiago. Gen de lien avec président actuel en Colombie. Hein? Ivan Duque. Jet privé que neg yo utilise pour revenir en Haïti. C'est jet privé ou ne que le Gonzalo Castillo. C'est un ancien candidat à la présidence de la République dominicaine. Monsieur sont racistes que monsieur. Et qu'on parti dans le mercenaire passé sous frontière. Et passé sous route, entrer sous frontière. Président Claude Joseph fait appel à FBI pour venir résoudre le problème. Mais la question, c'est qui a financé cette opération? Est-ce que ce n'est pas parce que je trouve information qui fait bah, ça va se faire, je ne sais pas. Parce que pas que monde qui compte ça, m'a dit là. Donc, ça qui passe aux États-Unis, je vais venir sur lui. Je ne vais pas dire une fois, je vais avoir l'autre là. Bon, je prends. Ça veut dire que je vais pas de arriver, n'importe qui le. Laisse ça, je me dis ça. Moi, j'ai peur pour ça. C'est journaliste, je vais me faire information. Même celui qui a une information, je vais me faire.
m'a jamais dit bah qui pas ça. Vous m'avez pour me dire. Tout mon ici peut. Il y a joué journaliste. Et ça fait même pas besoin de parler. Tout le monde sur les réseaux a information. Pour qui ça n'a pas dit Miami Herald, Terrele, un homme politique ici, lui poser la question pour demander est-ce que le gars a un rapport avec ça, non? Tout le monde peut pour dire ça. Il y a peut-être un problème avec Moudil. Moun sa te rencontre avec ça, non? Et puis il répond bien à Miral, oui, je suis rencontré avec lui. Bah, monsieur t'a dit, comme moi, son moun fou, je vais t'occuper. Mon leader politique, oui. Ok. Donc, c'est l'acte 1. Question, c'est qui a financé? Léon Charles, selon source que me fait confiance, document à l'appui. Bon, si vous êtes bleu, vous venez ça. Bon, si vous êtes bleu, vous venez ça. Vous venez ça parce que, elle est émission, vous venez bien. Dans le jour soir, à 11h30, Léon Charles n'a pas la président. Léon Charles, relais civil à 1h30. 1h20 ou 1h30. Ou un peu de j'en m'y dans sa veine parce que ça plus important. Il est civil, il dit président Maison Bako. Il n'y a pas de bonne information, ça. C'est moi qui viens de gagner. Et civil, tremblant. Oui, tremblant, hein. Maison Bako, Bako. Mais je nous suis bien, ça m'a dit. Après, elle finit par l'acte civil selon le dossier que je Léon Charles, lui, elle est où n'est qu'il est DDO. Mais je nous tendais, ça m'a dit. Léon Charles, lui, elle est DDO. Elle dit DDO. Lui, elle est Dimitri. Voilà ce qu'on comprend. Comment nous là? Directeur général la relé DDO, elle dit DDO, relé Dimitri Era. Et puis Léon Charles le soir, il dit vina blende. Mes nouvelles. Les pas raison. Vle tout bon engagement bataille. Sérieux? On est qui dit, ils ont dit, il va rentrer. N'a jamais contre Mounsa. Il ne va pas l'accuser moi-même. Et c'est Léon Charles qui baille, par raison, l'autre qui dit par raison, prends soin pour mesdames. Nan. Et c'est depuis les conversations ça. N'est-ce pas le bas ou en bas? Parce que là, il a jamais arrivé. Ou là, tu es guetant, baille. Et les nègres descendent. Route barré, ils ont porte-voix. Ils ont dit, dire. Et Léon Charles répond. Pas de. Comme ça. Vous comprenez? Oui, sa pièce là. Pas de faire dire pièce là. Mais Kouk pral tuer Koukoua. Vous qui vient contre Léon Charles. Li di Léon, asayen ou vle négocier. Ou negou? Notre troupe haïtienne, non? Qui vini? Qui dit asayen ou vle négocier? Léon refuse pour le téléphone, non? Et depuis le ça, Léon commence à comprendre et l'a gardé sous côté. Et Léon commence à déplacer. Beaucoup de nègres ça yo parce que yo vin automatiquement par être suspect et Léon perdu confiance même l'heure
Léon barré route là. DCPJ arrivé. Léon fait mettre Bende. Soit barré. Et ce qui dérange plus, c'est route là que Léon fait barrer. Parce que négocier pour faire quoi? Pour aller tranquillement. Flash! Dernière heure. De Gaulle! Qu'est-ce qui se passe actuellement? Là, quand on m'a parlé, monsieur, vous avez remarqué que je n'ai pas de téléphone. Ma voix téléphone. Actuellement, la police judiciaire a suffisamment d'éléments pour dire que Madame Koch était la personne à placer, à installer au palais national comme président provisoire. Selon les informations qui venaient de source 10 fois, Madame Koch. L'idée première, c'était de procéder à l'arrestation du président, mener le palais. Il dit, on va juger et installer Madame Koch. C'est ça, il va comme information. Attention, il m'a dit, nous, il va comme information. Pour moi, il va venir dimanche. Flash. Dernière heure. Il prend Colombie. Il y a nos résidences avec eux. Et puis, quand il m'a regardé, il dit, oui, nous te venons là dans la réunion. Kay qui est, c'est Kay Madame Koch. Yo perquisitionné Kay là. Madame Koch, pas là, Kay la vide. Côté ma parle avec nous. Sans objet, rien du tout. Selon les informations que la police disposait. Et puis, il y a des CPJ, tout le monde. Il y a une réunion avec Sano, Badjo, John Joseph Joel et Dodof. Et c'est Badjo qui monte l'opération. Il a décidé à la dernière minute pour tuer le président. Le président Jovenel Moïse, victime d'un complot. Pendant l'opération, aïe. Il dit c'est Colombien seulement, et vous êtes arrivé pour ça, vous dire aussi. Il n'y a pas de gain de haïtien, négo, ouais, pas ça. Lors de cette opération, il y a eu des policiers actifs en première ligne qui n'étaient pas dans le président. Il y a été deux naïos, il y a deux autres qui sont sauvés. Le travail aujourd'hui, c'est de trouver la chaîne de financement. FBI est là, je crois que FBI a besoin de ça. Il faut retrouver également la chaîne politique. Le monde entier est en train de nous regarder que mon président a quand nous que a tué. Plan, tu es en trois parties. Négo entre d'abord pour sécuriser. Ensuite, tu vas monter l'opération pour arrêter le président Menel dans le palais. Le président finit de mettre pouvoir, il t'a fusillé Jovenel quand même. C'est ça, il t'a gagné comme plan. Maintenant, connexion financière là, c'est libre pour nous trouver. Vous avez remarqué que moi, Gary Pierre-Brochal, je n'ai pas parlé d'oligarques corrompus. Avant les oligarques corrompus, la politicienne, etc. Mais acte 1
de l'assassinat de Jovenel. Comme si on est monde de comprendre, ou pas dit c'est un tel, à qui preuve? Moi, je crois. Il y a des hommes politiques qui sont sur le terrain et qui avaient rencontré ça, non? Faut que la justice parle avec eux. Et deuxièmement, il faut donner des preuves claires, flagrantes, sur l'implication de Mme Coq. Il ne faut pas dire seulement avec un dossier que Mme Coq a rencontré. Des preuves claires. J'exige une conférence de presse du haut état-major de la police nationale, parce que l'affaire de Mme Coq ne peut pas être une affaire qui était en termes de rumeur. Jovenel Moïse a des ennemis croisés. Jovenel Moïse a été victime, assassiné par des ennemis. Des ennemis de Jovenel Moïse. Mais si je faisais de la politique, ou bien si j'étais membre d'un parti, Nabdi a été assassiné par les ennemis de la nation. Mais il y a eu des Haïtiens qui ont participé à cet assassinat. Et il y a également la main étrangère. Nous ne pouvons jamais songer. Walter a plus ou moins songé. Val, nous te dit quand même, il y a une possibilité dans ce pays pour que quelqu'un qui n'a pas perdu du pouvoir, c'est si Jovenel tombe avant, mais il mourra avant. Vous songez, Walter? Il a dit ça. Mais vous avez entendu des noms cités. Nous citons pas qu'être noms. Donc, je ne peux pas retirer personne dans le complot assassinat. Je ne peux pas retirer personne. Je ne peux pas retirer personne. Non. Je ne peux pas impliquer de près comme de loin dans l'assassinat. Mais ça crive, c'est quand même bizarre. Pas grand coup de diam. Mais on a dit qu'on avait présenté un mandat à Réval. Mais c'est le même mandat de Petit Bois. Comme tu es peut-être trop petit pour le premier coup d'état raté. Ceux qui disaient que c'était un coup monté du régime en place. Parce qu'on voulait, ou ils devaient attaquer l'opposition, bagarre, etc. Ils ont dit ça. Après l'assassinat de Jovenel, pas de monde qui a dit c'était un coup monté. Donc Jovenel a été assassiné. Et je regarde avec tristesse. Les gens qui ont dit, Martine complice parce qu'elle était de mourir. Monsieur, Martine était de. Si Martine est impliquée, FBI après ça. Ok. Pour l'heure, je crois que l'acte 1 lui prend fin, même mon doute sérieux. Jusqu'à ce que il y ait un résultat. Résultat.